C'est l'histoire d'un jeune homme qui vient de très loin. Il était interprète en Afghanistan. Il parle bien le français. J'ai un peu le trac. Si ça peut vous rassurer, lui aussi. Ah, voilà. Et je m'attendais à voir débarquer le commandant Massoud avec une grosse barbe. Tu as besoin qu'on aille chercher tes affaires quelque part? J'ai tout dans mon sac. Mais enfin, t'as pété les plombs. Et voilà ta chambre. Pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est pas quelque chose dont je voulais parler. C'est quelque chose que je devais faire. Ah. Maman! Pourquoi tu lui as donné la chambre de papa? C'est la chambre de la maladie de ton père. Et ma chambre aussi. Qui vous dit que c'est pas un escroc, ce type? Un mec qui cherche des bonnes femmes à dépouiller. Allez, donne-lui sa chance, qu'est-ce que ça te coûte? Tu m'emmerdes. Je crois que ça veut dire oui. Tu vois, quand on veut, on peut. L'important, c'est d'avoir un objectif. من یاسرم یه قاصدم که آزمم واسه حرف تازه تر که لازمن واسه رب یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از غافلم حالا اینا بمونه واسه بعد آزمم میبینی تیک دارم رو پیش رفت سول من تو شیش بیدارم و دوباره میخوابم با نیشخند زول من یه مسافرم تو کش خزا اسیوم سکته اینو خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم اسیوم لگلر با من آنن سوی فیر دو تو ویان